Julia, mon amour, j'ai la joie immense de t'annoncer que tu es maintenant père. Notre fille est un ange et le plus beau bébé que tu puisses imaginer. Et tout le monde dit ici qu'elle te... Masha, ce sont d'excellentes nouvelles. Je suis plus heureux que les mots ne peuvent le dire et... Ta mère est arrivée hier. Tu recevras sans doute une lettre d'elle dans les jours qui viennent, t'expliquant à quel point je fais tout de travers. Mais tu la connais, tu sais que... Ne t'en fais pas pour maman. Elle est comme ça, comme oncle Vladimir. C'est un chef prudent qui s'inquiète trop de la vie de ses hommes, je crois. Je m'inquiète aussi pour eux, mais c'est la guerre et des sacrifices sont nécessaires. Je suis si fière de toi, mon amour. Ils disent que nous aurons bientôt gagné. J'ai hâte que tu reviennes pour que nous élevions ensemble notre fille dans ce nouveau monde que tu aides à bâtir. Nous devrions l'appeler Anastasia. Ou peut-être Najdejia. Maman serait contente. Prenez soin de vous. Vous tous. Je t'aime, Nikolai. Tandis que l'armée rouge continue de déferler sur l'Europe, l'OTAN titube. Avant longtemps, cette fragile alliance se brisera. Et les peuples se soulèveront pour protester contre leur gouvernement corrompu. Les idéaux du comité... Après des semaines de durs combats en Europe, il devenait évident que nous ne perdions pas. Mais nous ne gagnions pas non plus. En dehors de la France, les forces de l'OTAN ne parvenaient pas à nous repousser. Pas davantage que nous ne parvenions à progresser. Les généraux, qui aiment la vie, du moins la leur, cherchaient désespérément une solution et en trouvèrent finalement une. Une force de frappe devait être envoyée sur la côte norvégienne pour en détruire les forces antiaériennes et ouvrir un corridor pour nos bombardiers. Le colonel Orlovski fut choisi pour mener l'attaque et le capitaine Malachenko éclatait de fierté de participer à l'opération. Nous étions juste heureux de quitter l'enfer allemand. Nord de la Norvège, 2h25. Sokol 1 à Romanov. Faites une percée et détruisez ce radar. Il faut le neutraliser si nous voulons des renforts. On a eu ce soldat. Cible éliminée. Notre ultime objectif est le centre de commandement caché dans la montagne. Mais nous devons sécuriser la zone alentour avant d'entrer. Il faut surtout s'occuper des défenses anti-aériennes. Prenez soin de vos hommes, camarade Romanov. Vous n'en aurez pas d'autres jusqu'à ce que le radar soit détruit. Sokol 1, terminé. Bonjour à toutes et à tous. Sokol 1. Nous avons subi des dégâts en route et j'ai crashé l'appareil sur la plage, au nord d'un petit village. Vous devez nous y retrouver. Prium. Sokol 1 à Chacal. Que les hommes que vous transportez se retranchent. Nous arrivons aussi vite que possible. Compris, Sokol 1. Nous essaierons de repousser l'ennemi. Chacal terminé. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'objectif est le radar, Romanov. Nous ne pouvons appeler de renfort tant que vous ne l'avez pas détruit. Nous avons percé le premier périmètre. Les forces restantes se lanceront dès que vous avancerez vers le radar, Romanov. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de dialogues pour ce début de vidéo. Donc on va reprendre où on s'était arrêté la dernière fois. Hein. Ici Malachenko, nous aurons bientôt le contrôle de la plage. Les forces norvégiennes battent lentement en retraite. Ils n'ont guère offert de résistance pour le moment. Ne soyez pas trop confiant, capitaine. Ce sont des combattants accoutumés au climat. Et ils connaissent très bien la région.
Ils ne m'ont pas l'air très aguerris. Ce sont des loques, comme tous les soldats de l'OTAN. Malashenko, terminé. On engage l'adversaire. On a détruit ce char. On charge son munition quand ils peuvent neutraliser cette cible. Bon, alors, cette fois-ci, on se retrouve en Norvège. Pour la petite information, la Norvège, la Suède et le Danemark n'étaient pas affiliés dans un des deux côtés. Hein. C'est la cinquième fois que je reprends cette vidéo, donc c'est un peu énervé. Donc ces trois pays-là en fait étaient neutres, mais penchaient droguement pour l'OTAN. Quoi. Ils avaient peut-être plus quand même du marché libéraliste que du marché capitaliste. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ça fatigue. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont plus du côté libéral américain que du côté communiste russe. C'est un peu mieux. Mais évidemment, ce conflit repose bien évidemment sur le, en grande partie. Mais évidemment, la guerre là, le conflit en tout cas qui a existé entre ces deux blocs, reposait totalement sur le sur la différence économique des deux pays. Donc, vous connaissez le modèle communiste, vous connaissez le modèle capitaliste, j'ai pas le droit de vous expliquer. Et sur les doctrines aussi. Doctrine politique, quand je dis doctrine, je parle de doctrine politique, bien évidemment, pas économique dans ce cas-là. Et bien évidemment, dans ce jeu, ils mettent un contexte que finalement il y aurait eu le conflit qui serait dégénéré à cause justement de ça. Mais bon. Voilà. Donc, alors, comme j'avais commencé à dire, le Danemark, la Suède et la Norvège n'étaient affiliés à aucun des camps. Aucun des partis. Excellent, lieutenant. Le radar est détruit et nous avons un contact avec nos camarades de l'armée de l'air. Des renforts sont en route. Donnez-nous une section, Strelai. La plage est sécurisée, mais l'un des écranos a été contraint d'atterrir plus loin au nord. Je veux que vous sécurisiez une route à travers le village et que vous les rejoigniez. Les Norvégiens ont bien fortifié ce village, Romanov. Utilisez tous les tirs de soutien disponibles et frappez dur. Le temps nous est compté. Romanov, l'armée de l'air nous soutiendra pendant cette mission. Sokol 1 à Malashenko. Vous devez aller au nord-est à travers le ravin pendant que Romanov attaque le village. Govorit Malashenko, je vais au nord-est, camarade colonel. Excellent. Les Norvégiens vont sûrement amener des renforts dans la zone dès qu'ils le pourront. Il faut faire vite. On ne pourra soutenir un combat prolongé. Sokol 1, terminé. Alors, la Suède et le Danemark sont deux pays, en fait, qui ne... Malashenko Nasviazé. Des nouvelles de nos camarades de Fulda? Pas encore, mais je suis sûr que nous saurons vite ce qui leur est arrivé. Je ne doute pas de leur victoire. Nul ne peut rien contre nous. Malashenko, terminé. Donc, les trois pays scandinaves... Bien, Chacal. Quel est le statut de ces renforts? Priam. Ils arrivent vers vous. La jonction ne tardera pas. Sokol 1, terminé. Alors, les pays scandinaves n'étaient affiliés, comme j'ai dit, à aucun camp, mais penchaient fortement d'un des côtés, du côté de l'OTAN. Parce que, bien évidemment, leurs valeurs étaient proches de celles de l'OTAN et non pas celles des Russes, surtout pour ça. Et donc, si jamais il y aurait eu une guerre,
On sait pertinemment que le conflit en Europe aurait bien déjà un monde, mais que Scandinavie aurait rejoint le camp de l'OTAN. C'est pour ça que justement dans ce jeu, il y a bataille évidemment en Scandinavie. Les pays scandinaves sont du côté de l'OTAN, mais historiquement, il faut bien se rappeler de ça, c'est qu'ils sont pas du tout en guerre. Tout ils essaient de rester neutres. Malachenko, au rapport. Bon, rester neutres dans un conflit pareil. On tient l'entrée du ravin. Peu de résistance pour le moment. On les a pris par surprise, mais ils vont vite se ressaisir. Restez vigilants. Sokol 1 terminé. Donc voilà. Vous y êtes presque, Romanov. Continuez. Govorit Malachenko, où en est les créneaux? Ils tiennent, mais sans notre aide, ils ne vont pas tarder à succomber. S'ils apprenaient à piloter, ils n'auraient pas ce genre de problème, et nous non plus. On a eu de la chance que l'atterrissage se soit bien passé, Malachenko. Ouais, là, j'ai envie de me débarrasser de ces troupes-là, j'apprécie pas trop de les avoir dans cette mission. Le soldat d'infanterie est très pratique. Mais j'ai toujours une préférence quand même pour les chars dans cette mission. Ils ont tué une unité. Donc voilà. On y va tout de suite. On a eu cet ennemi. On a besoin de soutien ici. Parfait, le chemin est dégagé. Faites la jonction avec Chacal près de la plage. Vous avez des pertes. Surveillez vos arrières, Romanov. D'autres forces norvégiennes sont en approche. Da, vous devez les tenir à distance, lieutenant. Et c'est Chacal. Je suis bien content de vous voir, camarade. Ici Sokol 1. On n'abandonne pas les nôtres, Chacal. Soyez-en sûr. Les Norvégiens renouvellent leur attaque. Retranchez-vous autour de l'appareil et tenez bon. Malachenko va attaquer du sud. On finira par repousser leurs forces. Malachenko, Nasviaz. Je vois des forces norvégiennes qui avancent vers la deuxième plage. Nous engageons de loin tout en tenant notre position. Très bien, capitaine. Dès que Romanov aura sécurisé et fortifié la zone, nous continuerons l'attaque dans les terres. L'infanterie norvégienne attaque par la forêt. Demandez du napalm pour les neutraliser. Voilà. Ici, Sokol 1. La deuxième plage est sécurisée. Nous pouvons poursuivre notre mission initiale. Je vous envoie des blindés lourds en renfort, Romanov. Votre prochaine mission consiste à prendre le contrôle des batteries de missiles sol-air situées dans les collines de l'Est. Soyez très rapides, camarades. Nous sommes pour l'heure très vulnérables aux attaques aériennes ennemies. On est avec vous, Tovaric Commandil. Où nous voulez-vous? Blindé moyen a besoin d'un ordre. Des chasseurs bombardiers norvégiens approchent de nous en ce moment même, Romanov. Si vous sécurisez ces missiles rapidement, nous leur échapperons peut-être. Donc là, c'est vraiment une mission contre la montre. Le problème, c'est que je me rappelle plus exactement. Donc voilà, essayez de sécuriser. C'est assez facile cette mission, je vais pas vous mentir. Faut quand même que je me concentre un peu. Romanov, nous avons sécurisé le radar et les missiles. Vous allez devoir diviser vos forces et coordonner votre attaque. Engagé. Préparation en cours. On est blindé en protégé. Blindé en déplacement.
veut déjà tout réparer. J'ai vraiment l'impression que c'est difficile. Diverses ennemis confirmés. Ne retourne à la base. On va vers la nouvelle position. Mission accomplie. Merde, je me suis planté. Affirmatif. Frappant du char. Bah oui. Sur la piste. On y va immédiatement. Vous foncez avec. Ici Sokol 1. La première vague de chasseurs est à une minute. Il nous faut le contrôle de ces missiles sol-air. Ce serait bien la première fois que je vous prêt. Ici Sokol 1. Bien joué, Romanov. Nous contrôlons les missiles et le radar. Les chasseurs norvégiens détalent. Il ne leur reste plus que la voie terrestre. Voilà. Vous nous avez tiré une belle épine du pied, Romanov. Vous êtes un bon élément. On fonce, on est sur la piste. On commence les réparations. Pas le temps de se reposer. Les Norvégiens préparent une contre-attaque sur votre position, Romanov. Défendez-la à tout prix. L'armée de l'air a une nouvelle bombe expérimentale qu'elle veut tester. Ils ont plusieurs vols prêts vers vos coordonnées. Utilisez-les pour repousser l'ennemi et les empêcher de se mettre à l'abri. Ici Malachenko. Vous aurez besoin de cette bombe, Romanov. Il y a plusieurs compagnies de fantassins qui avancent vers vous. Mes deux camarades, on initie les réparations. Ah, la bombe à combustible. Nous sommes engagés. Ya, Kamchatka, on y est. Ici Kamchatka. Ils approchent de vous par le sud, Romanov. Ouvrez Kamchatka. Le camarade sera bientôt fouillé. On initie les réparations. On ne perd pas de temps. Bombardement. Les unités ennemies approchent de l'ouest. Donc ils arrivent bien par les bois. Je sais plus du tout en fait par où ils arrivaient. Vous leur faites mal, lieutenant. Continuez. Voilà, une bombe ici. Une ici. Les Norvégiens renouvellent leur attaque de l'est. C'est vraiment ici que vous allez avoir le plus de difficultés. Ennemi pris dans l'explosion. Kamchatka, terminé. L'attaque norvégienne ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Attendez, lieutenant. Ce ne sera plus très long. Voilà, c'est quand même pas si compliqué que ça. Hein. Faut garder son sang-froid, surtout, c'est ça qui est important. Ils auraient dû, c'est dommage. On sait pas comment ça se fait. Donc c'est pour ça en fait que j'ai préféré prendre des chars, comme vous constatez, c'est qu'ils attaquent quand même. On a eu beaucoup de blindés. Ici Sokol 1, les attaques cessent. Bien joué, Romanov. Nos camarades de l'armée de l'air vous remercient de votre aide. Le test de la nouvelle bombe est un succès complet. Oh, on récupère. Maintenant, menez vos forces à l'entrée principale de la base et sécurisez-la. Nous vous enverrons le génie dès que la zone sera assez sûre. Capitaine Malachenko,
Vous êtes responsable du SAM. Mettez vos troupes en position dès que Romanov aura commencé sa progression vers l'entrée. C'est comme si c'était fait, Sokol 1. Palachenko terminé. On y est presque. Mais restez concentrés sur l'objectif. Nous ne pourrons retourner aux plages et à la maison que lorsque la base aura été détruite. Regardez ça, vous sera très utile parce voici qu'il y a... l'entrée. Neutralisez les défenses et mettez-vous en position, Romanov. Des hélicoptères ennemis ont été repérés dans la zone, Romanov. Vous pourriez avoir besoin de soutien anti-aérien. Voilà, c'est des hélicos de recours, donc c'est pas encore trop problématique. Mais c'est surtout si jamais vous envoie d'autres hélicos de transport, ça sera très utile. Vous voyez un hélico de tac moyen. Bien joué, Romanov. Vous avez une tête de pont. Continuez votre progression. On a l'entrée. Retranchez-vous et fortifiez la zone, lieutenant. Le génie aura besoin de temps pour placer les explosifs. On va réparer ça. En route, préparation en cours. Blindé, prêt à destination des corps. Voilà, maintenant, faut sécuriser tous les points. On y va. Nous attendons vos ordres. On est sur la piste. Donc, on va réparer ça. Donnez-nous vos ordres. Pour ceux qui s'intéressent un peu à armement pendant aussi ce conflit, il y a un char extrêmement marrant entre guillemets. C'est un char justement suédois. Excellent, lieutenant. Le génie est à l'intérieur. Vous devez tenir jusqu'à ce que nos sapeurs aient terminé de placer les charges. Les Norvégiens vont jeter tout ce qu'ils peuvent dans le combat, mais ils ne doivent pas passer. Sokol 1, terminé. Malachenko Nasviage, mes éclaireurs ont repéré de vastes mouvements de troupes près de l'entrée de la base. Il y a un vrai combat qui se prépare, camarade. C'est un chasseur de chars, en fait. C'est un char sans tourelle, qui est uniquement en fait adapté pour le combat norvégien. Ils avaient prévu en fait dans les autorités qu'il se fasse envahir. Ce char a certains canons fixes, c'est problématique, mais a un gros avantage. Dès que nous aurons terminé ici, nous retournerons à la maison. Mais est très avantagé dans tout ce qui est terrain boisé. Sokol 1 à Malachenko. Au rapport. Govorit Malachenko. C'est plutôt calme par ici. Des attaques sporadiques, mais rien de sérieux. Ils concentrent leurs attaques sur Romanov et l'entrée de la base. Je vous demanderai de le soutenir en cas de besoin. Compris, camarade colonel. Oui, c'est pas encore trop dur de tenir. Romanov, brûlez les forêts autour de vous et empêchez les Norvégiens de s'abriter. Et ce char, en fait, a la particularité en fait, de pouvoir remonter ou diminuer l'angle de son... l'inclinaison de son canon. Encore quelques minutes, lieutenant. Ce qui lui permet en fait de facilement se planquer dans les bois. Vous garderez un peu armement suédois durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, excusez-moi. Sans avoir joué à Compagnie of Heroes 2 avant. Sokol 1, Romanov. Le génie indique que la moitié des explosifs est en place. Donc voilà. Bon, sinon, faut savoir que l'armement est plutôt standardisé au niveau autant, hein. Vous en tirez bien, Romanov. Retenez-les. Bah, évidemment, chaque pays a son propre charge de développement, hein. Mais l'OTAN se repose quand même sur des unités quand même communes un peu à tous, hein.
tels que Léopard allemand. Ou encore tout ce qui est un peu Cobra, qui est Sokol 1. Un peu hélicoptère phare. Les sapeurs sont en train de finir, Romanov. Ce ne sera plus long. On va. Donc, bien évidemment, ces nations-là, parce que les navires ont des armements qui sont propres, adaptés à leur climat. Hein. Mais ils utilisent énormément de véhicules OTAN, et notamment le Léopard allemand. Parce que le Léopard a la particularité d'avoir d'être très adapté en fait pour tous les types de terrain. À cette époque. Le génie a dégagé l'entrée. Détonation dans 3, 2, 1, maintenant. Ce qui en fait le char justement le plus polyvalent du côté de l'OTAN, le Léopard. Ici Sokol 1, le centre de commandement a été détruit. Un raid aérien a été envoyé pour détruire des plateformes offshore. Bravo à tous. Mais j'ai peur que nous n'ayons aussi de mauvaises nouvelles. Ici Malachenko, quelles sont les nouvelles? Il semble que l'OTAN fasse également des raids. Dites à vos hommes de retourner à l'appareil. Débriefing officier sur la plage principale dans 20 minutes. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Sokol a terminé. Donc si vous voulez d'autres informations, ben, pour tout ce qui est armement, je vous laisse rechercher de votre côté. Hein. Je suis pas un expert dans la matière, même si je m'y connais un peu. Donc c'est ainsi qu'en détruisant le centre de commandement de défense terrestre, vous avez aidé à ouvrir un couloir pour nous bombarder l'eau. Nous pouvons désormais frapper les cibles dans l'Atlantique et au nord du Royaume-Uni en toute impunité. Cela nous assurera sûrement la victoire. Nous avons accompli tous les objectifs principaux et secondaires. Nous avons eu la distinction de la médaille militaire et l'ordre d'Alexandre Nevsky. Nevsky, je pense, vas-y. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse un peu de tous mes lapsus que j'ai pu dire et mes erreurs que j'ai pu dire durant cette vidéo. Mais la fatigue fait un peu... Elle est responsable de ça, donc je m'en excuse. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et vive le jeu.